Bonjour les amis les cartes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu des paillettes parce que c'est le jour du réveillon de Nouvel An. Donc je suis super contente. Donc les filles, on va un petit peu se maquiller pour Nouvel An avec peu de maquillage. Mais bien sûr les garçons, ne faites pas ça. Vous serez bizarrement maquillés. Alors on va commencer sans tarder pour le Nouvel An. On commence avec une poudre et le pinceau aussi. On va faire très doucement et j'ai un miroir. Tout petit peu pour pas trop exagérer. Voilà. Quand on a terminé la poudre, on va faire les yeux. On va commencer par le blanc. Un blanc. Sur cette palette, sans couleur. Et maintenant, on va le mettre sur toute la paupière. Et bien sûr, on reste dans les tons clairs parce que on ne doit pas mettre trop de foncé non plus. Maintenant, on fait l'autre œil. Voilà, on a fini les deux yeux de couleur blanche. Maintenant, on va mettre cette couleur juste en bas de la première. Et on va le mettre à côté du blanc. Donc ici. Et on va mettre bien en mettre pour que ça soit très joli. Après l'autre œil. Donc il y a un peu de ton rouge, je ne sais pas si vous le voyez. Moi je trouve que c'est très joli pour le Nouvel An, mais ce n'est pas fini. On va prendre maintenant cette couleur, la brune. On va utiliser que trois couleurs ou quatre, on verra. Voilà. On va mettre ici, à la fin de la paupière. Dans le creux. Donc dans le creux. C'est tout simple et rapide si vous êtes stressé pour aller au Nouvel An. Donc, c'est tout simple. Et bien sûr, je vais faire la fête chez ma marraine. Et on va faire la fête. Donc, je trouve qu'il est très bien ce miroir parce qu'il a une double face. Et voilà. Ça donne ce résultat pour les paupières. Et on va rajouter un petit peu de rose ici, à côté du blanc. Voilà. Et on va estomper tout. Voilà, ça donne ce résultat. Maintenant, on va faire le mascara. Oh, mon miroir est tombé. Ce n'est pas grave. J'ai pas bien ça. Bon, c'est pas grave, je fous. Maintenant, je vais mettre ce mascara. Noir, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Je vais l'ouvrir. Frapper sur les bords. Et c'est parti. On va mettre le mascara. Mais vraiment un tout petit peu. Pour pas exagérer non plus. Voilà. Maintenant, on passe à l'autre yeux, à l'autre œil. Désolée si je fais des mots un petit peu bizarres. Voilà. Tout simple et fastoche. Maintenant, on va passer au blush. Donc, ici, dans les creux de l'os. Donc,
Quand vous sentez l'os ici, ben c'est en dessous. On va mettre ça, le blush, avec le pinceau. Ouh, désolée. Donc on va ouvrir ce petit truc. Et bien sûr, on va taper sur le bord. Et on a un tout petit peu de rose. Désolée s'il pleut, hein. Voilà, maintenant on va faire l'autre joue. Et l'estampe. Voilà ce résultat. Maintenant, on va mettre le pinceau là. On ferme le blush. Et on va le mettre dans sa poche. Voilà. Maintenant, j'ai un crayon rouge. Parce que j'ai un rouge à lèvres rouge. Voilà. Et on va faire le contour de la bouche. Autour, hein, pas dedans. Voilà, ça c'est ça le contour de la lèvre. Maintenant on va mettre le rouge à lèvres dans le crayon. Bien sûr c'est juste pour les fêtes, je ne le fais pas ça tout le temps, hein, vous inquiétez pas les amis. Voilà, mais il reste le dernier accessoire, enfin le dernier ustensile, des paillettes et en anglais glitter. Donc argenté bien sûr pour le nouvel an. Et je suis super contente parce que chez ma marraine on va faire des feux d'artifice. Donc on va mettre ici autour de l'œil, la moitié de l'œil entouré, ben, bien sûr comme ça. Oui, il pleut beaucoup ici, hein. Hop là. On va un petit peu souffler. Et on va mettre autour. Donc regardez, si vous voulez la voir, c'est ça. Voilà. Et on va faire l'autre œil. Tout de suite. Tam, 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 tam. Je m'imagine qu'il y a des petites paillettes qui marchent sur ma peau. Voilà. Donc voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors moi, il m'a extrêmement plu de le faire avec vous. Donc c'est vraiment, vraiment le jour de Nouvel An, le réveillon. Je vais le fêter avec vous, mes abonnés. Et avec ma famille, je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Et ça me fait toujours plaisir. Un grand like. Je vous aime. Bon nouvel an.